Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va faire un try and haul de chez Shein, H&M, d'autres boutiques comme Gossip, H&M, Outlet. Il y a aussi des choses qui viennent du marché opus que j'ai acheté ce week-end au marché. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, mes derniers achats depuis qu'on est déconfiné à moitié. Je vais vous montrer mes achats depuis qu'on est déconfiné à moitié, tout simplement. Je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra pour faire mes vidéos. Du coup, là, je l'utilise, c'est une Sony. Elle a une trop bonne qualité d'image. Je suis sûre que vous voyez la différence par rapport à mes anciennes vidéos. C'est une trop bonne qualité d'image. Je suis désolée, je regarde dans le retour écran. Donc voilà, on va faire ce haul, ce try and haul. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je sais pas ce que vous attendez pour le faire. Abonnez-vous. Allez, allez, on s'abonne. Voilà, vous faites partie de la Moonjumeur Family. On commence la vidéo, c'est parti, let's go. Alors on va commencer par ce que j'ai acheté à H&M. Je vous afficherai les prix à l'écran parce que je ne me rappelle pas tous les prix. Pour commencer, à H&M, je me suis pris un pull avec un col de chemise qui dépasse, un col gabardine. Je crois que c'est un col gabardine que ça s'appelle, mais je suis pas sûre du tout. C'est ce genre de chemise. Ce genre de col. Je vais fermer le nœud de la chemise. Parce que c'est pas une chemise. Pourquoi je dis le nœud de la chemise? Le nœud du pull. Donc je l'ai acheté à H&M. Il y a encore l'étiquette. Je l'ai toujours pas mis. Mais j'ai déjà mis mon fond de teint dessus. Je sais pas si vous voyez. Là il y a un peu de fond de teint. Je suis dégoûtée. Je l'ai eu à 19,99€. Et j'ai pris du M. Donc voilà le pull. Trop beau. Après, toujours à H&M, j'ai acheté un bob en fourrure. Bon là, avec mon chignon, ça rentre pas. De toute façon, je vous ai filmé les try-on, donc là, à l'écran, il y a les images de moi qui essaye le bob. Donc il est trop beau ce bob. J'ai pris en L pour que je puisse rentrer tous mes cheveux dedans. Et mes gros chignons. Moi j'ai pris en L, 58, taille 58. Il est trop beau, il est gris avec des petites peluches comme ça qui sortent du bob. Trop trop beau, je kiffe. Après on va passer à ce que j'ai acheté sur Shein. Je me suis pris une paire de chaussures. C'est des mocassins pointus en velours. Ils sont comme ça. Ils sont beiges, là ils sortent plus, plus foncés à la caméra, mais en réalité ils sont plus clairs. Ils sont beiges avec des détails dorés, là des chaînes dorées. Bien pointues. Les deux chaussures sont là. Elles sont trop belles. Mais il faut pas que je les porte quand il pleut, quand je marche beaucoup, parce que c'est du tissu. C'est du tissu, ça va s'abîmer vite, c'est pas du cuir, c'est pas du daim. Donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire que je kiffe? Je ne pense pas, I don't think so. Donc, après, je me suis pris un pull sans manches. Un swell vest, comme on dit à l'américaine. Un pull comme ça avec, vous savez, les losanges là, des pulls de mamie et papy. Sauf que dans les losanges, moi, il y a des petites fleurs violettes au milieu. C'est trop cute. Il est trop beau ce pull. Je l'ai porté aujourd'hui. Du coup voilà. Il est noir avec des fleurs violettes et des traits des losanges blancs. Il a le col V. I don't think so. J'ai craqué moi. Après. Chez Gossip, je me suis acheté un jean baggy. Un jean taille haute baggy. Il est trop beau, je l'ai coupé aux chevilles parce qu'il était trop gros, trop long. Mais je l'ai bien coupé. La dernière fois, j'ai acheté un jean sur Shein, je l'ai mal coupé, je l'ai coupé trop court, j'avais envie de pleurer. Mais là, je l'ai bien coupé, je suis assez contente, il est assez long. Je le voulais bien long, qu'il tombe, qu'il traîne par terre presque. Presque. Et donc voilà, là il est comme ça, il est bleu, bleu délavé, un joli bleu.
Moi j'aime bien les jeans clairs, j'aime pas trop les jeans foncés. Voilà. Le jean, j'ai acheté à Gossip. C'est une boutique à Lyon, une boutique de prêt-à-porter made in China. Donc voilà. Après à H&F, à Outlet, le même genre de boutique que chez Gossip. Sauf que c'est une autre boutique, mais c'est aussi du made in China. J'ai acheté une surchemise. J'ai acheté une surchemise. Comme ça. Comment? Comme ça. Mais j'arrive pas à l'attraper par le col. Je réessaye. Voici la surchemise à carreaux rose et beige. Rose et violet et beige. Très cute, très chic, très fashion, très trendy. Trendy. Très trendy. Très trendy. Voilà, voilà. La surchemise, trop fashion. Très à la mode la surchemise à carreaux cet hiver. Et en plus, ça tient chaud, elle tient chaud cette chemise, cette surchemise. Elle est douce, elle est trop douce. C'est trop agréable à porter et à toucher. Après, on va passer à ce que j'ai acheté au marché. J'ai pris ce pull que je porte sur moi là. Ce pull avec un bas de jogging noir. J'ai pris un ensemble de jogging, un ensemble jogos noir. Le bas, j'aurais dû le prendre plus large, mais il n'y avait pas assez de taille, il n'y avait pas de choix dans les tailles. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus large le bas. Donc le bas il est comme ça. Et le haut il est comme ça. Et derrière là, dans le haut, il y a un dessin. Il y a ce dessin dans le haut derrière. Voilà. Et là il y a écrit split. Et le bas il est tout simple, il n'y a rien d'écrit dessus. Ça vient de chez Kiabi. Et c'est du M. Donc voilà. Bah écoutez mes chouchous d'amour, on a fini, je vous ai tout montré hein. I think I'm done with this haul, you know what I mean, yeah. J'arrête de parler anglais, j'aime bien parler anglais. Donc voilà voilà, on a fini le haul mes chouchous d'amour, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. Mouah. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.